J'aimerais vous parler de la problématique de l'incontinence chez la femme. On ne laissera pas les messieurs de côté. Je vois qu'il y a certains messieurs parmi nous. Alors, on va parler aussi de la problématique parce que ça arrive autant chez les femmes que chez les hommes. Donc, on va en glisser un mot pendant la conférence, même si la conférence, elle porte surtout sur l'incontinence féminine. Donc, je vais vous présenter le contenu de ma conférence. Alors, comment on avance avec ça? OK. Donc, juste vous dire deux mots par rapport à qui je suis. Je suis professeure agrégée à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Ma formation de base, avant d'avoir fait des études pour faire de la recherche, c'était en réadaptation en physiothérapie. Donc, je vais vous parler beaucoup plus aujourd'hui des traitements de l'incontinence qui visent à renforcer les muscles, qui visent l'exercice. Donc, des traitements plus conservateurs, qui n'impliquent pas de médication, qui n'impliquent pas de chirurgie. D'accord? Par contre, les chirurgies et les médications peuvent être très intéressantes dans certains types d'incontinence, puis on va voir tout ça ensemble. Et comme je disais, je suis aussi chercheure là, ici à l'Institut universitaire de gériatrie. Et à la fin, je vais vous présenter quelques images des projets de recherche de notre laboratoire. Donc, le contenu de la conférence, si vous voulez, au départ, on va faire un petit test ensemble pour connaître un peu mieux là, ce qu'est l'incontinence urinaire. Parce qu'il y a des mythes, hein? Il y a des choses qu'on pense qui sont vraies, mais qu'elles ne sont pas. Donc, on va faire le petit test en premier. Ensuite, on va parler des différents types d'incontinence urinaire parce qu'il y a 5 types principaux. Et selon le type, on va avoir des traitements particuliers. Donc, c'est important de connaître le type d'incontinence qu'on a pour pouvoir mieux le traiter. Ensuite, on va parler des traitements conservateurs. Donc, ce n'est pas un parti politique du tout, là, conservateur. C'est vraiment des traitements qui n'impliquent rien d'invasif. Alors, ni les chirurgies, ni les médications. Et on va parler des différentes choses qu'on peut faire, non seulement pour traiter l'incontinence, mais aussi pour la prévenir. Alors, il y a des choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours qui vont nous aider à prévenir l'incontinence, parce qu'on va voir que c'est une problématique fréquente chez la femme. Chez l'homme aussi, en vieillissant, ça devient plus fréquent. Et on peut faire des choses, on peut être actif pour prévenir le problème. Donc, vous êtes prêts pour le petit test? Première question. L'incontinence fait partie intégrante du vieillissement normal, vrai ou faux? Faux. Ah, vous êtes très bon. Là. Je ne sais pas si ça vaut la peine de continuer. Vous avez bien raison. Par contre, on entend souvent les gens dire, « Ben écoute, c'est normal maintenant que j'ai quelques petites fuites, je vieillis. » C'est normal qu'avec le temps, on ait moins un bon retient-bien, comme on dit, là. C'est sûr que toutes les structures au niveau du système urinaire vont changer avec le vieillissement. Mais il n'est pas normal du tout d'avoir des fuites d'urine et il y a des choses à faire. Donc, ça qu'on se le dise, on n'a pas à vivre avec ça parce que c'est normal. Ça ne l'est pas. L'incontinence urinaire affecte plus de 50 % des femmes âgées, des femmes de plus de 60 ans. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai, faux? Là, j'en ai pris quelques-uns. OK, alors c'est vrai. Plus de 50 % des femmes de 60 ans et plus. OK? Alors, c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, une problématique très, très fréquente. Et c'est sûr que 50 % c'est pas toutes des personnes qui vont porter des protèges dessous, qui vont porter des couches. C'est pas toutes des incontinences sévères, mais c'est des gens qui vont avoir de la difficulté à retenir leurs urines. Donc, un problème assez fréquent. L'incontinence peut être un problème gênant et dramatique avec des conséquences importantes pour les patientes. C'est vrai. Alors, ça peut avoir un impact sur la qualité de vie. On a lié l'incontinence avec la dépression, plus particulièrement chez les personnes vieillissantes, à l'isolation, au fait de faire moins d'activité physique, de bouger moins. Puis en fait, hein, on veut bouger, on veut continuer à bouger en vieillissant pour prévenir d'autres maladies, le diabète par exemple, pour prévenir aussi des problèmes cognitifs. On le voit avec d'autres recherches qui se font ici au centre.
L'incontinence aussi est liée aux chutes, fractures de hanches. Parce que si la nuit, on se réveille, puis on veut aller aux toilettes rapidement, puis qu'on a très envie, bien, on ne marchera pas de la même façon. On va peut-être s'enfarger dans ses pieds, puis on va chuter. Donc, il y a un lien très étroit entre les chutes et l'incontinence urinaire. Alors, c'est important, ça, parce que ça peut amener d'autres problèmes de santé importants. Donc, vous aviez raison encore, c'est vrai. Je pense que si vous continuez comme ça, je vais avoir fini ma présentation assez vite, là. Les personnes atteintes tardent souvent à consulter. En moyenne, 7 ans avant de consulter. C'est vrai? Effectivement. C'est un tabou, hein, l'incontinence. C'est gênant. On ne va pas en parler directement tout de suite. Et souvent, parce qu'on n'en parle pas, puis parce qu'on attend, ben le problème s'accentue. Si c'est une cause musculaire, si c'est un affaiblissement, ben plus on attend, plus le muscle s'affaiblit. Donc, on gagnerait à le dire plus rapidement. Les traitements actuels permettent de traiter l'incontinence urinaire dans la majorité des cas, je vous dirais 95 % des cas, soit les traitements conservateurs de chirurgie ou de médication. Pensez-vous qu'on a des bons traitements pour l'incontinence actuellement? Oui. Donc, il ne faut pas penser que ce n'est pas quelque chose de traitable, puis qu'on doit vivre avec ça. Il y a des traitements efficaces. Donc, vous avez passé le test. On va essayer de continuer un petit peu plus loin dans les types d'incontinence urinaire. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 5 types d'incontinence. La définition de l'incontinence, c'est toute perte involontaire d'urine dont se plaint une personne. Okay. Toute perte involontaire d'urine, ça veut dire que ça peut être quelques gouttes. On n'a pas besoin, pour être incontinent, d'avoir une couche, d'avoir des protèges dessous. Ça peut être, on tousse, on éternue, on a quelques gouttes. Okay. On appelle incontinence tout ce qui est fuite d'urine. Il existe 5 types. L'incontinence d'effort, d'urgence, l'incontinence mixte, par regorgement et l'incontinence fonctionnelle. Alors, on va les prendre un à un et on va les définir. Incontinence d'effort. Une fuite accidentelle d'urine. Alors, quelques gouttes à un jet. Donc, c'est une petite quantité. Et ça va arriver lors d'une activité physique, soit par exemple lors d'une toux. Alors, je tousse et j'ai une fuite d'urine très légère. Éternuement, rire, soulever un objet lourd ou pratiquer un exercice physique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces activités-là? Dans toutes ces activités-là, il y a eu une augmentation de la pression dans mon ventre, une augmentation de pression sur ma vessie et mes muscles n'étaient pas suffisamment forts pour refermer autour de l'urètre et c'est là qu'il y a eu une fuite d'urine. Hein, si vous y pensez, quand je tousse, il y a plus de pression sur mon plancher pelvien, sur mes muscles. Alors là, la vessie, elle est pressée, puis si en bas, ça ne se ferme pas comme il faut, il va y avoir une fuite d'urine. Vous comprenez? C'est la même chose en levant un objet. Souvent, quand on lève un objet, là, c'est l'automne, je ne sais pas si vous nettoyez, vous faites votre grand ménage, si vous nettoyez vos fenêtres, mais quand on lève nos fenêtres comme ça, puis que c'est difficile, hein, on va souvent bloquer notre respiration. Et là, on va augmenter la pression dans notre ventre, puis ça va faire une pression sur le muscle, une petite fuite d'urine. D'accord? Vous prenez vos petits-enfants dans vos bras, vous prenez un sac d'épicerie, vous faites des activités physiques, vous courez un petit peu plus, il y a un peu plus de pression. C'est ça l'incontinence d'effort. Et heureusement, je vous ai parlé du muscle qui est problématique dans ce cas-là. Avec les exercices de renforcement du muscle, on peut aider à corriger ce problème-là très, très bien. On va en parler tout à l'heure des interventions. Incontinence d'urgence. Alors, c'est une fuite involontaire d'urine accompagnée ou immédiatement précédée d'une envie soudaine et pressante d'uriner. Généralement, c'est une plus grande quantité qu'on va perdre parce que la vessie se contracte, puis là, on a très envie, puis on a de la difficulté. Le meilleur exemple pour ça, là, c'est on arrive à la maison.
on met la clé dans la porte, puis là, là, on a envie, puis là, on essaie d'aller aux toilettes, puis en se rendant aux toilettes, on peut avoir des fuites. OK? Alors, même si vous n'avez pas de fuite d'urine reliée à l'urgence, vous allez remarquer que quand on arrive à la maison, on met la clé dans la porte, on sent cette urgence-là. Certaines personnes vont avoir des fuites. Et là, encore une fois, c'est une question de muscle qui n'est pas capable de contrecarrer l'effet de la vessie. Mais dans ce cas-ci, on a en plus une vessie qui est un petit peu trop nerveuse, une vessie qui se contracte beaucoup, qui nous donne cette urgence-là. On peut aider le muscle par des exercices, mais on peut faire des choses aussi pour calmer la vessie, pour la faire relaxer, hein, pour qu'elle soit un peu plus zen, notre vessie. Donc, je vais vous montrer des trucs qu'on peut faire qui vont l'aider à se calmer. Incontinence mixte, c'est très simple, c'est une combinaison. Ce sont des fuites d'urine qui vont être dues à la fois à des symptômes d'incontinence d'effort et à des symptômes d'incontinence d'urgence. Donc là, on est vraiment mal pris parce qu'on tousse, on éternue, on peut avoir des fuites, puis on a des urgences, puis on va avoir des fuites en se rendant aux toilettes. C'est probablement le type d'incontinence le plus handicapant parce que dans toutes les situations, on peut avoir des fuites. Okay? Donc, on en a habituellement plus souvent, doublement à cause des deux causes. Et dans nos laboratoires, on va travailler surtout ce type d'incontinence-là. En fait, ce type d'incontinence-là, c'est celui qui est le plus fréquent chez la femme de 60 ans et plus. On traite aussi les autres. On va regarder plus tard qu'est-ce qu'on fait pour les autres. Incontinence par regorgement. Alors, c'est une incontinence urinaire qui est associée à une vessie qui est distendue. Donc, c'est une vessie qui est très, très, très pleine. Et là, à ce moment-là, la perte peut survenir de façon spontanée, à l'effort, soit en goutte à goutte ou en continu. Elle se produit généralement chez l'homme. Savez-vous pourquoi? La prostate, exactement. Donc, chez l'homme, la prostate va prendre du volume. La prostate, c'est comme un petit beigne qui entoure l'urètre. Elle va prendre du volume, elle va grossir en vieillissant. À partir de 40 ans, la prostate commence à prendre un peu plus de volume. Si elle en prend trop, et étant donné que c'est un beigne, si elle étrangle trop l'urètre, qu'est-ce qui va arriver? Bien, notre vessie va se remplir. Puis, à un moment donné, là, on essaie d'uriner. Puis, parce que l'urètre est écranglée, on ne peut pas uriner. Mais là, elle va être pleine, distendue. Puis, on tousse. Bien, ça va comme faire une petite pression supplémentaire. Puis, ça va aider au surplus d'urine de s'évacuer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça arrive surtout l'incontinence par regorgement chez l'homme. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Bien, on va enlever les tranglements. On va faire une opération à la prostate, mais en enlevant une partie de la prostate, c'est un petit beignet, comme je vous ai dit, qui est tout près du sphincter de l'urètre, donc le muscle qui entoure l'urètre. En enlevant la prostate, ben on peut malheureusement enlever des parties du muscle, qui fait que les messieurs, après une chirurgie de prostate, soit pour un cancer, une hyperplasie, ben dans un certain pourcentage, ils vont devenir incontinents parce qu'on a attaqué. Hein? Souvent, bien, c'est parce que le cancer est pris dans le sphincter, on n'a pas le choix, mais on va avoir enlevé une partie du sphincter. Donc, incontinence de regorgement, mais si on enlève la prostate, ils vont avoir moins de muscles pour serrer autour de l'urètre, donc ça va devenir une incontinence d'effort. Ça va se produire à la toux et à l'éternuement. Et pour les messieurs, ben, on peut faire le même traitement au niveau musculaire que pour les dames, pour l'incontinence d'effort. Je vous perds pas, là? C'est bon? Parfait. OK. En passant, les prévalences, on a dit que 50 % des femmes avaient de l'incontinence après 60 ans. Chez les hommes, on dit que c'est un homme sur 10 qui a de l'incontinence. Donc, c'est 10 %, c'est beaucoup moins. Et comme je vous ai dit, en grande majorité, c'est relié avec la problématique de la prostate. Incontinence fonctionnelle,
C'est la dernière, le dernier type d'incontinence. Alors, c'est une incontinence urinaire qui n'est pas reliée à un désordre urinaire. Les fuites se produisent lorsqu'un individu ne peut pas utiliser les toilettes de façon appropriée. Donc, on parle d'incontinence urinaire fonctionnelle lorsque la personne ne peut pas se rendre à temps aux toilettes. Par exemple, si c'est une personne qui a beaucoup d'arthrose, qui a beaucoup d'arthrite, puis qui a de la difficulté à marcher, puis que pourtant, là, un bon retient bien, mais à un moment donné, on ne peut plus, là, n'est pas capable de se rendre à temps aux toilettes, puis elle va avoir des fuites. Une personne qui aurait des problèmes cognitifs, puis qui aurait de la difficulté à se rendre aux toilettes, on appelle ça également de l'incontinence fonctionnelle. Est-ce que ça va? Donc, vous êtes bon maintenant, vous connaissez les 5 types d'incontinence. Je vais vous parler maintenant des traitements conservateurs de l'incontinence. Encore une fois, je vous ai dit, c'est rien de politique, là, hein? Mettez-moi pas d'étiquette ce matin. Donc, dans les traitements conservateurs, il y a les exercices du plancher pelvien, la rééducation de la vessie. Donc, on va éduquer notre vessie à se calmer, à être plus zen, à plus être hyperactive. Et finalement, des changements de comportement et de mode de vie qui peuvent avoir un impact sur la continence. Donc, on va voir ça par la suite. Et comme je disais tout à l'heure, les traitements conservateurs, c'est tout ça en haut, mais ce n'est pas rien d'invasif. Alors, pourquoi on ferait des traitements conservateurs pour l'incontinence? Pourquoi pas aller vers une chirurgie ou un médicament tout de suite? Bien, en fait, c'est ce que nous recommande l'Organisation mondiale de la santé. Hein, ils disent, plutôt que d'aller avec des traitements qui sont plus invasifs, commencez avec des choses simples, hein? Des choses qui ne sont pas très coûteuses, que vous pouvez faire à la maison, qui n'ont surtout pas d'effet secondaire. Alors, tout ce que je vais vous montrer, vous allez voir, il n'y a pas d'effet secondaire à ça, et qui n'empêche pas non plus qu'il y ait un traitement qui soit fait par la suite, un autre traitement. Okay? Alors, on va parler des exercices du plancher pelvien. Et avant de parler des exercices, je vais vous montrer où se situe la musculature. Bon, là, si j'avance, j'aurai plus mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Alors, ça, c'est comme si on avait coupé ma dame en deux, il me semble ici. Alors, vous avez à l'avant ici l'os pubis. Vous voyez ça? Et à l'arrière, on a le coccyx. Donc, avant le pubis, après le coccyx. Et vous voyez la ligne rouge? La ligne rouge est la musculature du plancher pelvien. OK? Ça va? Je voulais juste le montrer. Donc, le plancher pelvien, c'est une série de petites... C'est vraiment un plancher. Si je mettais mes deux mains entre mon pubis et mon coccyx, mes deux mains ici, je représenterais le plancher pelvien. Donc, ce n'est pas seulement qu'un petit muscle de rien. C'est vraiment la base de son bassin. À partir du pubis, il y a une petite loupe qui va venir faire le tour de l'urètre. Un petit peu plus à l'extérieur de ça, une deuxième loupe qui va venir faire le tour du vagin. OK? Donc, je ne sais pas si je pourrais avec la souris non plus. Donc, c'est une série, en fait, de petites loupes, du pubis vers l'urètre, pubis-vagin, pubis-rectum et jusqu'au coccyx pour vraiment former un muscle à la base du bassin. Vous me comprenez bien, hein? Alors, ce muscle-là, chez les femmes, hein, quand on est jeune, c'est un vrai plancher. En vieillissant, c'est un hamac. Il est vraiment relâché comme ça. OK? Alors, les grossesses, le fait d'être debout toujours, bien, ça va faire en sorte qu'il est plus relâché, ce muscle-là. Et c'est ça qu'on va aller travailler pour le renforcer. Alors, vous avez de l'autre côté une image de résonance magnétique qu'on va faire, nous, dans nos recherches pour évaluer ce qui se passe au niveau de la musculature du plancher pelvien. On essaie de comprendre quels sont les changements chez les dames qui ont des fuites d'urine, contrairement à celles qui n'en ont pas.
Alors, on va faire les exercices du plancher pelvien ensemble. Première étape, identifier le muscle. Et là, je vous dis tout de suite, là, pour ceux qui n'ont pas de fuite d'urine, ça vaut la peine d'apprendre quand même à faire ces exercices-là par prévention. OK? Puis, si vous avez des enfants ou des petits-enfants là, qui... Vous avez des gens enceintes dans votre famille, là, des femmes enceintes dans votre famille, ça vaut la peine de leur enseigner ces exercices-là. Parce qu'après l'accouchement, souvent, ils sont affaiblis. Donc, on peut prendre une position assise. Vous êtes déjà assise. Et en position assise, là, on va vraiment s'asseoir les fesses à plat sur la chaise pour avoir un bon contact sur la chaise. Notre plancher, il est sur la chaise. Donc, on veut identifier la contraction du plancher pelvien. Normalement, quand on contracte ce muscle-là, on va vouloir le remonter, donc le décoller de la chaise. On va imaginer qu'on contracte pour retenir les urines et les gaz. Je ne fais plus jamais ça. OK. Donc, je suis penchée un petit peu vers l'avant pour que vraiment mon plancher pelvien soit en contact avec la chaise. Dans cette position-là, je vous ai dit, on pense à retenir les urines et les gaz, donc on veut décoller de la chaise. Vous devriez sentir que ça remonte et que ça décolle de la chaise. Ça peut être difficile en position assise si on n'a pas un muscle très, très fort. À la maison, vous pourriez mettre votre main par-dessus votre petite culotte et sentir ce mouvement-là. Donc, soit en position assise ou en position couchée. Ce que je veux pas, et ce qui serait vraiment néfaste pour vous, ça serait que, plutôt que de remonter le muscle, vous poussiez le muscle dans la chaise, comme pour aller à la selle. Vous savez ce que je veux dire? Si on pousse comme pour aller à la selle, là, ça va affaiblir le muscle. Et si on comprend mal l'exercice et on fait 10 poussées dans la chaise par jour, vous pouvez imaginer que vous allez vous affaiblir. Donc, très important, se placer sur une chaise, bien sentir son périnée et d'essayer de contracter pour décoller cette musculature-là de la chaise. Ça va? OK. Donc, comme je disais, c'est important de bien contracter. Ça, c'est notre première étape. Deuxième étape, on va faire différents exercices pour aider le plancher pelvien. Mes études ont montré qu'il y avait 4 éléments importants dans la fonction du plancher pelvien. Alors, c'est pas juste d'être fort, il faut être endurant, il faut être coordonné aussi. Hein, parce qu'un muscle fort, s'il n'est pas capable d'être coordonné au bon moment, avant qu'on tousse, avant qu'on éternue, ça ne nous donnera pas rien. Donc, on doit faire différents exercices, 4 exercices, et malheureusement, les exercices, c'est comme ça, hein, on doit les répéter. Si vous allez faire de l'activité physique dans un gymnase, si vous en faites une fois par année, vous ne gagnerez pas beaucoup de force puis d'endurance dans vos muscles. Alors, la théorie de l'entraînement nous dit qu'il faut faire ces exercices-là au moins pendant 3 mois pour gagner une force acceptable. C'est sûr, par contre, que dès la première semaine, vous allez voir que vous êtes meilleur. Il va avoir moins de fuite, mais ça va prendre 3 mois pour bien renforcer le muscle. Et on va progresser dans différentes positions. On commence couché parce que là, on n'a pas la gravité contre notre muscle.
couchez, c'est plus facile de faire cet exercice-là. Donc, pendant un mois couché, pendant un mois assis, et le troisième mois debout. Pourquoi? Ben, la plupart des fuites d'urine se produisent debout. Donc, il faut être capable de travailler debout. Alors, on va faire l'exercice ensemble. Ça s'appelle l'exercice de la force. On commence par expirer lentement. Ensuite, on contracte le plancher pelvien, comme je vous ai montré tout à l'heure, aussi fort que possible pour retenir les urines, les gaz, et on aspire le plancher pelvien vers l'intérieur. On fait ça en respirant normalement, et pour respirer normalement, on peut compter tout haut de 1 à 6 parce qu'on va faire ça pendant 6 secondes. OK? Alors, je vais en faire un avec vous. Donc, je suis assis un petit peu plus vers l'avant. Et là, mon plancher pelvien est bien appuyé. Je contracte comme pour retenir mes urines et mes gaz. Alors, je commence par expirer, pardon. On inspire, on expire. Et là, je contracte mon plancher pelvien et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je relâche. Et on répéterait ça 6 fois. 6 contractions de 6 secondes en se donnant 6 secondes de repos entre chaque contraction. Donc, on serre 6 secondes, on se repose 6 secondes et on répète 6 fois. Donc, ça, c'est le premier exercice. Alors, on fait 3 séries de cet exercice et on peut prendre 1 minute de repos entre chaque série. Là, je vois qu'il y en a plusieurs qui prennent des notes. Je vous suggère, pour pas là, que vous soyez pressés à prendre des notes, à l'arrière, il y a un petit document qui s'appelle « Brisons le silence ». C'est un document qu'on a fait avec Dr. Tannenbaum, qui est aussi chercheur en recherche ici. Vous avez tous les détails des exercices que je présente. Donc, pour vous reposer la main un peu, là, hein, vous pouvez juste prendre ce petit document-là, puis vous allez avoir toute l'information. Alors, deuxième exercice, la coordination. On expire lentement par la bouche, comme tout à l'heure, puis on contracte le plancher pelvien. Cet exercice-là, il est très intéressant parce qu'on le combine avec une toux. On a dit tout à l'heure que l'incontinence d'effort, ça arrivait avec la toux. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jumeler une contraction avant la toux pour se coordonner. Et plus on va le faire, plus ça va nous venir en tête comme un automatisme. Donc, si vous faites ça pendant une semaine, ben déjà la semaine suivante, quand vous allez tousser, vous allez avoir en tête, ben il faut que je serre quand je tousse pour justement serrer mon muscle puis empêcher l'urine de s'écouler. Cet exercice-là, il y a eu une belle étude qui a été faite aux États-Unis. Ça fait environ 10 ans. Et dans cette étude-là, à l'Université du Michigan, ils ont démontré que seulement qu'une semaine après la pratique de cet exercice-là, les incontinences à la toux et l'éternuement avaient diminué de moitié. Donc, ça, là, c'est vite, c'est pas 12 semaines. Alors, cet exercice-là, je voudrais que vous repartiez avec en tête. Et vraiment, si vous le pratiquez, une semaine plus tard, vous allez voir un changement. Donc, on prend contact avec son périnée. OK? Alors, on inspire. On expire. Et là, on va serrer avant et pendant ma toux. Et on relâche. OK? On refait la même chose. On serre. Et on relâche. Et une dernière fois, on serre, on garde la contraction et... OK.
Là, si vous avez mal à la gorge, c'est l'automne. Là, si vous avez la gorge un petit peu irritée, vous n'êtes pas obligé de tousser. Vous pouvez faire juste un parce que en faisant ça, ça va faire la même chose. Ça va pousser, ça va augmenter la pression de l'abdomen. Hein? Je ne veux pas vous causer de douleur à la gorge en faisant mes exercices. Donc, l'important, c'est de faire le lien entre toux et exercice. Et comme je vous dis, si vous le pratiquez et que vous pensez à moi quand vous toussez, ben, vous devriez être capable de vous retenir un petit peu plus. OK? Donc, une semaine, puis on a des bons résultats. Les contractions rapides, ben, ce qu'on s'aperçoit, c'est que en vieillissant, on a plus de difficultés à contracter rapidement ses muscles. Donc, ça nous prend un peu plus de temps. Et encore là, si on tousse, si on éternue, si on fait un mouvement rapide puis qu'on veut que notre muscle réagisse rapidement, s'il prend trop de temps, ben, on va avoir une petite fuite d'urine. Alors, l'exercice que je vais vous demander de faire, c'est de contracter rapidement 10 fois votre plancher pelvien. Alors, pour justement travailler cet aspect-là de rapidité. Okay? Donc, je me rassois encore une fois. Il nous reste juste deux exercices, là. Ça va aller? Je vous surentraîne pas ce matin? OK. Donc, périnée bien en contact avec la chaise. Et là, je vais vous demander 10 contractions rapides, d'accord? Et je vais compter pour vous. Donc, on inspire, on expire, et vous pouvez compter avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, ça se passe pas dans les yeux, là. 6, 7, 8, 9, 10. OK, j'avais beaucoup d'yeux comme ça au début. Après ça, je pense que vous avez compris. Des fois, il y a même des épaules qui lèvent. Mais ça, c'est parce que, hein, on n'a pas bien isolé nos muscles. Donc, 10 contractions rapides et vous pouvez, à la maison, progresser en les faisant de plus en plus rapidement. OK? Pour travailler un aspect de votre muscle qui n'est pas la force, mais qui est sa rapidité de réponse, qui va vous aider quand vous faites une petite course pour attraper l'autobus ou quand vous voulez, je ne sais pas moi, courir après vos petits-enfants ou je ne sais pas, le chien ou quelque chose comme ça. Donc, quand vous avez besoin que votre muscle réponde rapidement. OK? Alors là, je vais regarder comment je fais dans le temps parce qu'on a commencé un petit peu plus tard. OK, on est correct pour le dernier exercice. L'endurance. Ça, c'est une autre chose que j'ai vue dans mes études. Les dames âgées qui ont de l'incontinence ont moins d'endurance que celles qui n'ont pas d'incontinence. Donc, on va travailler aussi pour notre muscle, l'endurance. Hein, on a dit jusqu'à maintenant qu'on travaillait la force en faisant le premier exercice, la coordination avec la toux, la rapidité, puis là, on va travailler l'endurance. Donc, l'endurance, il s'agit de contracter notre muscle avec un certain contrôle musculaire. Donc, on va le contracter, mais pas au plus fort. Une mini-contraction. On contracte moyennement pendant 6 secondes. Ensuite, on va contracter très, très fort pendant 6 secondes. Puis encore moyennement pendant 6 secondes. Sans lâcher jamais. Puis parce qu'on lâche jamais la contraction, ça fait 3 fois 6 secondes. Donc, c'est 18 secondes. C'est beaucoup plus long. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un exercice d'endurance. OK? Alors, ça, c'est le plus difficile que je vous donne. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin, là, pour ne pas vous décourager. Donc, on va essayer de le faire. On s'assoit, plancher pelvien en contact avec la chaise. J'inspire, j'expire et je compte. Serre pour retenir les urines, les gaz, mais moyennement. Pas votre plus forte contraction. Et 2, 3, 4, 5. 6. Maintenant, très, très fort, allez-y encore. 2, 3, 4, 5, 6. On descend un peu, mais on garde une petite contraction. 3, 4, 5, 6. Et on relâche. Vous êtes super bon. Je n'ai pas vu d'épaule, je n'ai pas vu d'yeux. Vous aviez l'air de bien, bien suivre. Donc, c'est quand même plus difficile, celui-là. Hein? L'avez-vous trouvé difficile?
On se demande des fois, on a-tu relâché complètement ou si on a juste relâché un peu, là? C'est vraiment difficile de contrôler. Mais plus on est capable de contrôler un muscle, plus on va pouvoir le contrôler quand on a des envies pressantes ou quand on a aussi des fuites à l'effort. Okay? Donc, c'est un bon exercice à faire et vous allez le retrouver dans le programme à la fin. OK, donc ça complète les exercices. Je voulais vous dire aussi quelques mots pour la vessie qui est nerveuse. OK? Donc, j'ai encore un peu de temps. Donc, pour qui devrait travailler sa vessie? Si vous devez vous lever plus de 2 fois pendant la nuit pour aller uriner. Attention. Si vous vous levez parce que vous faites de l'insomnie, puis vous vous dites, ben tant qu'à être réveillé, je vais aller aux toilettes, c'est pas la même chose, là. Moi, ce que je veux dire, c'est si vous devez vous lever la nuit parce que vous avez trop envie, normalement, 1 fois, ça peut être normal. 0 à 1 fois, c'est normal. Plus que ça, 2 fois et plus, là, ça commence à être beaucoup. En pratiquant les exercices, vous allez voir qu'une des premières choses que vous allez remarquer, c'est que vous allez moins vous lever la nuit. Donc, c'est très efficace pour ça. Alors, vous devriez rééduquer votre vessie si vous vous levez 2 fois et plus la nuit. Si vous devez fréquemment vous rendre aux toilettes pour des envies pressantes. Si vous avez ces envies pressantes-là, qu'on a parlé au début, là, la clé dans la porte. Si vous devez aller uriner, plus souvent qu'aux 2h30. Alors, si vous dites, ben moi, il faut que j'y aille aux heures, il faut que j'y aille aux heures et demie, je vais au cinéma, puis je peux pas regarder tout le film, là, parce que je dois aller aux toilettes à répétition. Je joue au bridge, puis il faut que j'y aille souvent. J'arrête souvent pendant ma partie. Et si vous avez des pertes importantes qui vous obligent à changer vos sous-vêtements, vous vous rappelez l'incontinence d'urgence, on a dit que c'était des grandes pertes. Donc, si vous avez répondu oui à une de ces questions-là, vous devriez faire une rééducation de la vessie. Alors, qu'est-ce que c'est que la rééducation de la vessie? Ben, dans un premier temps, vous devriez aller uriner seulement lorsque vous avez envie. Hein, vous savez, on dit souvent, ah ben, je vais y aller au cas où. Qu'est-ce que ça fait, ça, d'y aller au cas où? Bien, ça fait en sorte qu'on y va plus souvent, puis on ne fait pas travailler notre vessie, elle ne prend pas d'expansion parce qu'on y va souvent. Donc, elle peut prendre seulement qu'un petit volume, puis une bonne journée, quand on va avoir besoin qu'elle prenne plus, bien, elle ne s'étirera pas, elle va être habituée à prendre seulement qu'un petit volume. Donc, y aller au cas où, là, c'est pas une bonne idée. Je ne vous dis pas, par contre, si vous avez un grand trajet à faire, là, peut-être que oui, ça vaut la peine d'y aller. Mais sinon, essayez de ne pas y aller au cas où. Prenez le temps de bien vider la vessie, afin que celle-ci soit complètement vidangée. Alors, chez nous, les femmes, avec le temps, la vessie peut-être basculer un petit peu. Vous avez déjà entendu parler des descentes de vessie? Oui. Donc, disons que ça, c'est mon urètre et la vessie est en haut ici. Alors, ce qui arrive, c'est que si mon muscle est un peu plus relâché, il supporte moins bien mon urètre, ma vessie va avoir tendance à basculer comme ça. Elle peut basculer où? Elle peut basculer vers le vagin. Parce que le vagin, c'est creux, il y a de la place. Si elle bascule comme ça, quand j'urine, je vais vider le haut. Voyez-vous que ça fait un petit coude? Je ne serai pas capable de vider le coude. Donc, je vais aller aux toilettes, je vais penser que j'ai tout vidé, mais je vais avoir vidé le dessus, mais pas ce qui est dans le coude en bas. Qu'est-ce que je peux faire pour bien vider la vessie? Généralement, les femmes qui ont ce problème-là, là, qui ne vident pas complètement la vessie, vont me dire, « Chantal, quand je me lève, des fois, ça coule encore. » Ou, là, je me relève, puis je me dis, « ben là, je sens qu'elle n'est pas vidée, ma vessie. »
Parce qu'on s'est relevé, puis la vessie s'est remontée comme ça. Vous êtes aux toilettes, basculez-vous sur la toilette, bercez-vous deux petits coups, puis vous devriez sentir le besoin de continuer de vider la vessie. Surtout, il ne faut pas pousser. Si on pousse, qu'est-ce qui arrive? Si je pousse, j'affaiblis mes muscles. Donc, on ne pousse pas, on se balance vers l'avant. La vessie va se repositionner, puis elle va le reste va s'évacuer. Un petit truc encore que vous pouvez utiliser. Essayez de vous retenir 1 à 15 minutes avant d'aller aux toilettes. Hein? Si vous avez des eaux casous, si vous y allez, « Ah, là, je devrais y aller, je pense que ma vessie est pleine », on va essayer de faire une minute, 5 minutes, puis si on est capable, 15 minutes. Pourquoi? Bien, parce que pendant ce temps-là, on fait de l'exercice. Pendant ce temps-là, on se retient un peu, donc on entraîne nos muscles. Si on y va toujours à la première envie, nos muscles deviennent paresseux parce qu'on ne les fait jamais travailler. Vous me comprenez, hein? OK. Donc, essayez de vous retenir un petit peu plus. Si vous avez une envie pressante, qu'est-ce que vous faites? Bon, si on a une envie pressante, là, on a envie, on a envie, on a envie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on marche, on va se pencher en deux. Puis là, on va marcher rapidement vers la toilette. Si vous vous penchez en deux, vous faites encore plus de pression sur votre vessie. Votre envie va être encore plus grande. Vous courez vers la toilette, vous faites de la pression. Donc, si votre muscle est affaibli, vous ne vous aidez pas. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est arrêtez-vous, redressez-vous et contractez votre plancher pelvien. Vous pouvez le contracter 8 fois. Il y a une étude qui montre que si on le serre 8 fois, rapidement, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça, en faisant une contraction du plancher pelvien 8 fois rapidement, ça vient calmer la vessie. Donc, la vessie, elle va être moins nerveuse, moins contractée. Vous allez avoir moins envie et vous allez pouvoir vous rendre à la toilette. Donc, un autre petit truc, je vous en ai donné 3. Serrer avant de tousser. Je vous ai donné tantôt le truc pour vider à la toilette. Puis là, le 3e truc que je vous donne aujourd'hui, c'est si vous avez une envie pressante, partez pas rapidement aux toilettes, arrêtez-vous et faites 8 contractions rapides. Plus vous allez être forte et fort, plus vous allez être capable d'arrêter les envies pressantes. Donc, chaque semaine, on essaie d'augmenter le temps entre les mixtions. Et le but, c'est d'être capable d'aller aux toilettes aux 2h30 à 3h. Maintenant, pour les changements de comportement de mode de vie, on sait que l'obésité, et c'est pas, moi, je parle pas là, d'un petit surplus de poids. On parle d'obésité morbide. Alors, quand on a vraiment un poids très, très élevé, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça pèse sur le plancher pelvien et ça peut occasionner plus de fuite d'urine. Donc, en diminuant son poids, on peut aider à réduire les fuites d'urine. Si vous avez des toux chroniques, si vous toussez régulièrement, dites-vous qu'à chaque fois que vous toussez, vous affaiblissez ce muscle-là. Donc, allez consulter votre médecin, essayez de régler le problème de toux pour ne pas pousser à chaque fois sur votre plancher pelvien. La constipation, c'est la même chose, ça pousse sur la musculature du plancher pelvien. Donc, essayez d'avoir une bonne alimentation, c'est-à-dire avec des fibres, des céréales à grains entiers, des kiwis, des pruneaux. Buvez suffisamment. Souvent, parce qu'on a des fuites d'urine, on ne boit pas. Donc, c'est important de boire 1,5 litre d'eau par jour, bien s'hydrater, d'eau ou de liquide, là. Donc, buvez bien, mangez des fibres et bougez. Souvent, les personnes qui ont plus de fuites d'urine ne bougent pas. Donc, c'est pour ça qu'on a plus de constipation. Donc, allez prendre une marche pour justement stimuler les intestins. Ou faites un massage, et là, vous l'aurez aussi dans le petit livre. On peut masser ses intestins après les repas en suivant le côlon ascendant, transverse et descendant
pour aider aux selles là, de s'évacuer. Évitez le café. Le café rend la vessie très, très nerveuse. OK? Alors, si vous prenez de la caféine, du café, du thé, du chocolat, ça va vraiment irriter votre vessie. Quand votre muscle sera plus fort, vous pourrez reprendre un petit peu la caféine. Mais quand vous avez des fuites, ça vaut la peine d'arrêter tout ça. Les mets épicés aussi vont irriter la vessie. Donc, faut faire attention. Là, si vous mangez une sauce à spaghetti très épicée, très tomateuse, très acide, avec un bon café puis un gâteau au chocolat pour dessert, vous êtes mieux d'être près de la toilette. Donc, faut juste faire attention aux combinaisons. Donc, privilégiez plutôt des soupes, du lait chaud, de l'eau citronnée, des choses comme ça qui vont moins irriter. Alors, tout ça, vous avez ça dans le petit document. Donc, en conclusion, avant de commencer à faire les exercices, identifiez bien vos muscles. Assurez-vous que vous ne poussez pas, mais que vous contractez. Ensuite, pratiquez les exercices de façon intensive pour une période de 12 semaines. Donc, vous allez le voir dans le document. On a également un DVD. Alors, on a un DVD d'exercices là, qu'on a fait. Alors, vous pourrez le trouver aussi à l'arrière. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant parce que le DVD passe de mois en mois. Alors, couché, assis et debout. Et je refais avec la dame qui fait les exercices dans le DVD. Chacun des exercices, les quatre exercices qu'on a parlé, donc dans chacune des positions. Alors, à la maison, vous avez juste à mettre votre DVD puis vous nous suivez pour faire les exercices. La pratique doit être faite au moins 5 fois par semaine pour vraiment renforcer les muscles. Rééduquer la vessie si vous avez des envies pressantes. Ayez des bonnes habitudes de vie et restez actif. Il ne faut pas que les problèmes ou les peurs d'avoir des fuites d'urine s'empêchent d'être actif. Et là, je voulais vous glisser 2 mots. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour vous parler de nos recherches. Alors, comme Nadia disait au début, nos projets de recherche qui se font ici à l'hôpital, donc moi, mes laboratoires sont au sous-sol, un petit peu plus vers l'arrière de l'hôpital. Et ce qu'on fait, c'est qu'on étudie les muscles du plancher pelvien, ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, pour essayer de mieux comprendre les problèmes. Comme je vous ai dit, c'est ça qui nous a fait identifier les meilleurs exercices. Mais on continue à identifier les problèmes pour encore plus améliorer nos programmes d'exercice. Et là, on utilise différentes technologies, comme par exemple la dynamométrie. Ce n'est pas des appareils de cette grosseur-là, hein? Faites-vous-en pas. Donc ça, c'est un appareil pour mesurer la force du muscle. C'est un petit bout qui rentre à l'intérieur du vagin. On serre dessus et ça mesure la force. On fait de l'imagerie par résonance magnétique pour voir les muscles. Et on fait aussi de l'échographie qu'on place sur le périnée ou l'abdomen pour regarder les muscles à l'intérieur du corps. On regarde aussi qu'est-ce qui se passe au cerveau quand on a une envie pressante, quand on contracte. Comment est notre contrôle de ces muscles-là? Donc ça, c'est une partie de nos recherches. On fait aussi différentes évaluations, comme des évaluations de la force des jambes, de la posture, de l'équilibre, parce que je vous ai dit que l'incontinence, c'était lié avec les chutes. OK? Donc, on sait que les gens qui sont plus voûtés, qui sont plus penchés vers l'avant, ont plus de problèmes urinaires, parce qu'il y a plus de pression déjà. Donc, on va travailler la posture chez ces gens-là. On regarde la posture, on regarde aussi la cognition. Mais peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir qu'on a aussi des programmes de recherche qui visent les traitements. Alors, on a soit, par exemple, des classes d'exercices où on enseigne les exercices et où on les fait en groupe. On a aussi des traitements individuels où là, vous pouvez regarder à l'écran d'ordinateur qu'est-ce qui se passe au niveau de votre muscle. Donc, on peut placer quelque chose sur le périnée ou à l'intérieur du vagin pour capter l'activité de vos muscles
et on peut le voir à l'écran. On a également, j'ai pas d'image pour ça, étant donné que la posture peut être liée avec l'incontinence, on a des nouveaux projets qui impliquent des changements de posture, donc des souliers avec des talons qui vont changer notre posture, qui pourraient aider pour l'incontinence. Donc ça, c'est vraiment nouveau, ça s'en vient cet automne. Donc, différents traitements. Et on fait aussi du transfert de connaissances. Transfert de connaissances, c'est vous informer de ce qu'on a comme comme résultat de recherche. Donc, entre autres, il y a la brochure gouvernementale dont je vous ai montré. Il y a le vidéo d'exercice, puis à l'arrière, là, on va pouvoir vous donner toute l'information. Alors, tu l'as, la vidéo, vous pouvez regarder à l'arrière, si vous pouvez vous retourner le cou, là. Alors, elle, là, va vous donner les détails. On a aussi un site web avec l'information sur ces problématiques-là. Puis finalement, ben, on donne des conférences publiques comme ce matin. Alors, je vous remercie pour votre attention. Là, je sais que j'ai dépassé un petit peu mon temps. Alors, moi, je suis disponible pour des questions si vous avez des questions maintenant. Puis même par la suite, pendant la pause, si vous voulez me voir personnellement, ça va me faire plaisir. Et s'il y a des personnes qui veulent s'inscrire au projet, comme elle a dit, vous venez me voir et puis on fera le suivi pour le projet de Dr Dumoulin. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle.